mer Méditerranée, berceau de l'apnée. Les plus grands champions y sont nés et s'y sont entraînés. Des fonds atteignant rapidement les 100 mètres, des épaves et une eau tempérée y font le terrain de jeu idéal. C'est là, dans la Grande Bleue, réputée capricieuse et dangereuse, qu'enfant je me suis noyé, ancrant un profond traumatisme en moi. Et contrairement à toute logique, c'est l'apnée qui me fournit le meilleur environnement pour surmonter ma peur viscérale et paralysante. Le moyen le plus simple pour me retrouver seul face à la mer et à mes propres démons. Au début, votre corps vous impose inconsciemment des limites. Il vous empêche de descendre trop profond ou vous fait remonter avant que l'appel de l'air ne se fasse ressentir. La peur exacerbe cette autoprotection. Ma progression s'est faite alors plus lente et difficile. Beaucoup vous diront que pour briser ces verrous mentaux et progresser en apnée, il vous faut pratiquer des heures de yoga, découvrir des secrets de ventilation et surtout ne pas fumer. Pour moi, le vrai secret se trouve là, dans ma tête. Je me détache de tout ça. Je profite de tout ce qui m'entoure, de tout ce que m'offre la mer. Je ne descends que lorsque je suis prêt. Dépasser le conventionnel, mettre momentanément ses peurs de côté, le temps d'une descente, pour ne garder que ce sentiment de plénitude. Vous voyez, sur Terre, j'aurais dû escalader cette falaise. Ici, j'ai juste à décoller. C'est ça, l'apnée. L'arrogance me fait sous-estimer ma peur et m'amène une nouvelle fois dans le bleu. C'est là que l'appel de la profondeur est le plus fort. Aujourd'hui, je vise plus de 70 mètres en nos limites. L'idée est simple, mais pas moins périlleuse. Minimiser un maximum l'effort en me laissant littéralement couler au fond à l'aide d'une gueuse. Une simple ossature en aluminium lestée de plomb et équipée d'une bouteille d'air reliée à un parachute qui pourra me remonter une fois le fond atteint. We'll be right back.
une chute dans l'espace qui commence. Dans cet espace sans vie apparente, je suis un explorateur. À chaque mètre que je gagne, je perds en échange un peu de lumière. Le soleil ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Lorsque je percuterai le plomb, 8 kilos de pression s'appliqueront sur chaque centimètre carré de mon corps, donnant à mes poumons la taille d'une pomme. La pression se renforce sur mon corps, accentuant ma vitesse de façon exponentielle. La chute en devient éprouvante, mais la sensation n'est que plus fantastique. Je me sens vivant. Pourtant, c'est mauvais signe. Déjà, mon corps me ramène douloureusement par des spasmes à la réalité inhumaine de mon environnement. C'est beaucoup trop tôt. Je ne suis pas censé les avoir avant d'approcher de la surface. Une profonde angoisse ressurgit. Et si je n'arrivais pas à remonter? Et si cette fois, j'étais allé trop loin? Je dois remonter au plus vite, je manque d'air, j'ai peur. Mais je dois rester concentré, car il n'y a aucun repli possible. Abandonner ici, c'est mourir. Je vois enfin la surface, mais ma conscience flanche. L'appel de la profondeur est plus terrifiant qu'il n'y paraît. Au moment où vous sous-estimez la mer, celle-ci ne tarde pas à vous rappeler quelle est votre place. J'ai été arrogant, et la syncope a été brutale. J'aurais pu me noyer une seconde fois. L'arrogance fut peut-être un stade nécessaire pour repousser les limites de ma peur, mais je ne veux plus plonger de cette manière-là. Désormais, je dois cesser de la dénigrer pour avancer. Je dois l'affronter une bonne fois pour toutes. Pour lui faire face, il me faut explorer autre chose que les abysses. Un vestige du passé qui me hante. Cette fois-ci, plus aucun artifice n'est permis. Mon corps sera le seul moyen d'accomplir cette épreuve. Je dois être seul. Seul pour combattre ma peur. Car pour vaincre nos peurs, nous nous devons d'être seuls. Cette épave est la personnification même de mon traumatisme. Froide, dégradée, sombre. Une chose ancienne enfouie au plus profond de moi que j'ai toujours voulu fuir, sans me rendre compte que je n'avais fait qu'emprunter un raccourci pour mieux la retrouver. Thank you.
Ce que je redécouvre aujourd'hui est fascinant. Ce qui séjourne dans l'obscurité des abysses n'est pas une bête, mais un sanctuaire qui a su surmonter les affres du temps et des éléments, attendant patiemment que je vienne lui rendre visite. J'ai compris peut-être un peu tard que je ne devais plus la fuir ou chercher à l'affronter, mais avancer avec elle. Sous l'eau, la peur reste la seule chose qui te rattache à la surface. Et ce n'est pas négligeable. Je sais qu'elle sera toujours là, prête à ressurgir. Mais désormais, je serai capable de l'accueillir.